Ça aussi, c'est un concept qui a circulé dans le monde. Que quelque chose d'autre doit vous motiver à faire ce que vous faites. Si ce que vous faites a assez d'importance, vous n'avez besoin de rien d'autre pour vous motiver. Ce que vous faites est vraiment important pour la vie. Pourquoi avez-vous besoin d'une autre motivation pour faire en sorte que ça ait lieu? Si vous comprenez et ressentez vraiment que ce que vous faites est vraiment important pour toutes les vies autour de vous, vous n'avez pas besoin de motivation, la vie suit juste son cours. Voyez, est-ce que vos battements de cœur ont besoin d'une motivation pour continuer? Je vous le demande. Aucun processus de la vie ne demande une quelconque motivation, n'est-ce pas? La mousson arrive, a-t-elle une motivation? Non, elle arrive chaque année, parce que le processus naturel suit son cours. Simplement comme ça, en vous et moi, la vie est active. Ce que je vous dis, c'est que si vous faites quelque chose qui est aligné avec le processus de vie fondamental que vous êtes, cela peut s'exprimer d'un million de façons, ça n'a pas forcément besoin d'être un enseignement spirituel, ça peut s'exprimer d'un million de façons. Quand ce que vous faites est aligné avec votre processus de vie fondamental, vous n'aurez pas besoin de quoi que ce soit pour vous motiver. Simplement, dans le cadre de la vie, ça va juste avoir lieu. Combien vous faites dépend simplement de combien de temps vous avez investi pour vous développer vous-même. Le problème avec le monde en ce moment, c'est que les gens essaient toujours de développer leur activité. Si vous développez votre activité sans vous développer vous-même, vous êtes voué à craquer quelque part. C'est comme, vous allez sur une piste de Formule 1 parce que vous voulez aller vite, et vous y allez avec votre Maruti 800. Imaginez que vous atteignez la bonne vitesse, les quatre roues vont partir dans quatre directions. Elles ne vont pas tenir. Si vous voulez être à ce genre de vitesse et sur ce genre de piste, vous devez préparer la machine. Développer celui-ci est important. Si vous vous développez, l'activité va simplement avoir lieu. Beaucoup de gens autour de moi, vous savez, bien des fois, ils pensent que je suis surhumain à cause de mon activité. Il ne s'agit pas d'être surhumain. Si vous explorez les possibilités d'être humain, si vous explorez les possibilités de l'immensité d'être humain, vous allez réaliser que vous n'avez pas à être surhumain. Être humain est déjà super. Donc vous n'aurez besoin d'aucune motivation externe ou d'aucune inspiration. Le processus même de la vie va le faire.